Good morgen! Allez, Ida et Nessus, aujourd'hui, le Nishmat, Richard, Avant, Ben Fortune et Mazal, ainsi que l'Irfoat, Hanaya, Bat Gitel, Devora, Sarah Bat Nechama, Efoat, Bat Sarah, et tous les blessés de Méron, qu'Hachem, il envoie à tous, une fois chez moi, une fois tous les fèches, une fois ta gouffe, le Yomar, les Tzarotenoudaï. Et on étudie Masechet Chkalim, Perekalef, Mishnahé. Aval Pishamu, Enme Mashkenim, Nashim, Vaavadim, Uktanim, Im Shaklou, Mekablin, Miyadam. Anochri, Vaakuti, Che Shaklou, Ein mekablin miyadan, miyadan. Ben mekablin miyadan. Kine zavin, ve kine zavot, ve kine yoldot, ve chataot, ve ashamot. Aval, nedarim ou nedavot, mekablin miyadan. Zaklal, kol she nidar ve nidav, mekablin miyadan. Kol she en nidar ve nidav, en mekablin miyadan. Vechen ou meforash al yede Ezra, she neemar lo lachem ve lanu livnot bait. L'Eloheinu. On commence à traduire, première partie, il y a deux sujets dans la Mishnah. Tout autour du même principe, c'est qui sont les personnes imposées, ou plutôt, on va voir plutôt, des personnes qui n'ont pas de devoir d'apporter, de donner, de contribuer à la Machatzit HaShekel, mais que malgré tout, s'ils veulent, ils peuvent donner, et d'autres personnes qui ne pourront pas du tout donner. Première partie, Afalpi She'amru, même, bien qu'ils ont dit, c'est-à-dire bien que nos maîtres ont enseigné que en memashkenim nashim va vadim uktanim, qu'on ne n'ira pas forcer les femmes et les esclaves et les enfants à payer, on n'ira pas leur faire une saisie de biens s'ils ne cotisent pas. Malgré tout, im shaklou mekablin miyadan. Si toutefois ils ont voulu eux payer leur machatzit shekel, eh bien mekablin miyadan, on pourra recevoir d'eux. C'est la notion qu'on avait expliquée à la fin de la Mishnah précédente. La Mishnah l'enseigne, prenez par exemple une femme, elle n'a pas d'obligation de cotiser le Machatzit HaShekel. Si toutefois, lorsque le Gizbar vient maintenant dans le quartier pour récupérer le Machatzit HaShekel, là il y a une femme qui vient qui lui amène le Machatzit HaShekel, le Gizbar peut le prendre. Le chidouche de cette Mishnah, il est de m'enseigner que Mosrim Oto la Tzibur Yafé. C'est la notion. Si vous lisez le Bartanura, il revient sur Mosro Yafé, l'Omosro Yafé. On ne doute pas, on avait expliqué la notion dans la Mishnah précédente en fait, que pour pouvoir apporter un corban public, il faut que l'argent que je donne, c'est plus mon argent personnel, c'est devenu un argent public. J'en avais bien expliqué qu'un public, c'est pas une association de 1000 individuels. Les 1000 individuels s'associent pour maintenant créer un bien public. C'est devenu un bien public, il n'y a pas de propriétaire. J'ai pas de droit dessus, je l'ai donné au public, j'ai un droit dessus, pas mieux ou pas pire que n'importe quelle autre personne du monde, c'est devenir bien public, d'accord? C'est comme ça que ça, c'est la notion de le donner au petit bourg. La Mishnah l'enseigne, sache que ces personnes, qui sont les femmes, les esclaves et les enfants, un maître qui veut donner pour son esclave par exemple, ou bien pour ses enfants, im shaklou, s'ils ont voulu donner, mais kablin miyadan, on recevra d'eux. On va pas les soupçonner que peut-être qu'ils ne le donnent pas franchement, et qu'il va y avoir une part du korban qui va être... qui va rester un individuel et donc causer un problème en Corban. Ok? Ça, c'était la première partie de la Mishnah. Deuxième notion, maintenant, on va parler du Anochri Veakuti chez Shaklou. Le Nochri, c'est le Goy. Et le Kuti, c'est un peuple particulier en Israël qui s'était converti, mais qu'en fait, on a réalisé qu'ils se sont convertis par crainte. Il y a une grande discussion, ça apparaît plus enfin dans le chasse, est-ce que le Kutim Gere Emet ou Gere Arayotem? Est-ce que c'est des guerriers Emet, est-ce qu'ils se sont réellement bien convertis, et que finalement, ils sont repartis un petit peu à la voie d'Azara, mais en fait c'est des juifs, ou est-ce que non, les Nochris sont les Nochrim, on a réalisé après coup qu'en fait ils se sont convertis avec pur intérêt, parce qu'ils avaient peur des bêtes féroces qui traînaient, mais en fait ils sont restés depuis le début, ils n'ont jamais reçu sur eux d'être des ODHM. Et une marloquette sur ça, il y a même une marloquette dans notre Mishnah, comment, selon quelle avis elle va. On expliquera un peu mieux après, d'accord? En tout cas donc c'est un peuple... Un kouti, il est toujours considéré comme un demi-goy. Donc, un ochri va à kouti chez Shaklou. Si un ochri, un goy et un kouti, chez Shaklou, qui ont voulu donner le machatzit HaShekel, ein mekablin miyadan. On ne recevra pas de le machatzit HaShekel. Pourquoi? Alors, justement, des non-eman limsor yafé yafé. Comme ça, il dit, il rapporte le Tiferet Israël, ce que je viens de voir, je vais pas tellement aussi le dire de la même manière, que. On les soupçonne qu'ils ne vont pas le donner franchement au public. Et si ils ne le donnent pas au public, on explique que c'est une catastrophe. Je ne peux pas, moi, avoir... Lorsque demain matin, on va faire le Korban Tamid, le Shachar,
au nom du tout le Ham Israël, imaginez qu'il y a dedans un petit bout du mollet qui m'appartient parce que c'est mon la contre-valeur de mon Ratzeta Shekel que je n'ai pas donné au public. Il s'avère que maintenant c'est plus un korban public, c'est un korban qui appartient au public et aussi à moi. Et le fait qu'il y ait un individuel qui reste propriétaire sur ce korban, ça pose problème, ça invalide le korban. Du coup, ces personnes-là, le Kenochi Yakuti, on les soupçonne qu'ils vont peut-être pas le donner comme il se doit. D'accord? Du coup, puisqu'on s'est mis à parler maintenant des Nochrim et des Koutim, de manière d'interpréter la Mishnah, on va expliquer, on va se mettre à parler de tous les Korbanot qu'ils peuvent faire. Ven Mekablin mi Adam, Kinei Zavin, Vekinei Zavot, Vekinei Yoldot. On ne recevra pas des Koutim aussi, si toutefois, là pour le moment on parle essentiellement du Kouti, parce qu'un Goy, il n'a aucune nécessité de se purifier, un Goy ne devient pas impur en Minatora. Tandis qu'un Kouti, justement, la Mishnah elle va selon l'avis qui pense que les Koutim se sont déguerrés et émettent, ils se sont bien convertis, et la Mishnah me dit, ben, sache que malgré tout, on ne va pas recevoir de leurs mains les Kinei Zavin, les Kinei Zavot, les Kinei Yoldot. Lorsqu'ils ont des purifications de Zav, et de Zava, qu'ils doivent faire en apportant une paire d'oiseaux, de Torim ou Bnei Yona, et ou bien des Yoldot, une Koutite qui accouche, Vechataot va Shamot, ou bien apporter un Korban Chatat, ou un Korban Hacham, on ne va pas recevoir deux. Les korbanot, on ne reçoit pas deux. Par contre, parce qu'on a voulu les exclure complètement, comme ça on ne se mélange pas avec eux. Par contre, Nedarim ou Nedavot, mais Kablin mi Adam. Les Nedarim et les Nedot, le Rambam a une autre version. Il pense qu'on reçoit effectivement les. Il pense qu'on recevra les korbanot. On ne va pas rallonger sur ça. Je continue maintenant. Nedarim ve Nedavot, les dons et les offrandes qui sont sous forme de Neder de vœux ou de Nedava, qui sont une pure offrande. Mais Kablin mi Adam, en réalité, ça inclut le Korban Ola et Korban Shlamim, qui décident de leur permettre d'offrir. On recevra deux, ça implique des Goïm et des Koutim. Même un Goï, il peut faire, hein, il peut ouvrir un Korban au Beth Amikdash. Il peut décider, un Goï, il prend un animal, il l'offre au Beth Amikdash, on le fera monter. S'il apporte en tant que Ola et Shlamim, je crois. D'accord? Dernier vote, mais Kablin mi Adam. On recevra deux les Nedarim et Nedavot. Différence entre Nedarim et Nedavot, c'est deux manières de prononcer comment est-ce que je fais un Korban. Faire un Neder, ça veut dire que je prends sur moi le devoir d'apporter un Korban Ola. Et faire un vœu, c'est je dis que cet animal, il sera Korban Ola. La différence, elle est très simple. C'est si cet animal meurt, est-ce que je dois apporter un autre Korban? D'accord? Concrètement, Zéaklal, Kol Shenidar Venidav. Telle est la règle. Kol Shenidar Venidav. Tout Korban que l'on peut faire en tant que Neder ou en tant que Nedava, décider de son plein gré de l'offrir, eh bien, Mekablin Meadan, on le recevra de, si un Goy ou un Kouti qui veut apporter ce Korban-là, eh bien, on le recevra. Tandis que Kol She'en Nidar Venidav, un Korban qui n'est pas, on ne peut pas décider de l'offrir de notre plein gré. On l'offre que dans une circonstance particulière, par exemple un Khatat ou un Hacham, que je vais apporter un Khatat que si j'ai transgressé, d'avoir Sheshbo, Isur Karet, Lav Sheshbo Karet, que quand je le transgresse Meshoga, je vais apporter un Korban Khatat. Alors là, de telles corbanotes, en mekablin miadan, ces corbanotes-là, on ne les recevra pas ni des goïms, ni des koutim. Comme on a dit, les goïms, parce qu'ils sont exclus, ça n'existe pas, un goï, il ne peut pas apporter de corban, il n'a pas cette option. Et le kouti, parce qu'on va le considérer, on a voulu le coller le même à la chôte que le goï pour l'exclure complètement, comme ça on se marie pas avec eux. Vechen ou meforash aliede Ezra. Et ainsi, il est explicite dans le pasouk de Ezra. Ezra, c'est la fin des 24 livres du Tanakh. C'est Ezra Nehemia. Ils sont revenus en Eretz Israël après l'exil de Babel et ensuite de Perse. Ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont construit le Beth Amikdash. Et il y avait là-bas un peuple de Koutim qui ont voulu aussi donner de l'argent pour le Beth Amikdash, le construire. Et Ezra a refusé leur argent. Mechen Meforash à l'aide d'Ezra. Ainsi, il explique dans le livre d'Ezra, chez Nehemar, comme nous dit le verset, « Lolachem velanu livnot bet bait lelokenu. » Ça n'incombe pas à vous et à nous qu'on fasse ça ensemble, que l'on construise ensemble le Beth Amikdash. Il a refusé leur argent, une règle très importante. C'est explicite dans le verset dans la suite, là-bas, que Israël a dit, « Vous allez commencer à nous donner de l'argent au Beth Amikdash, demain vous allez venir nous dire, oui, on veut que ce soit comme ci ou comme ça. » Laissez-nous tranquille, on ne veut pas de votre argent, parce que comme ça vous n'avez pas votre mot à dire chez nous, on fait ça à notre manière, comme on veut nous le faire, sans être contraint, c'est une grande règle.
Malheureusement, imaginez, vous allez recevoir de l'argent pour construire une synagogue de qui? D'un courant réformé ou d'un courant. Après, demain, ils vont venir vous demander d'adopter un petit usage. Ils vont avoir leur petit mot à dire. Donc, dans les situations pareilles, garde ton argent, reste chez toi, laisse-moi me débrouiller avec le petit, avec le peu que j'ai, je ferai mieux que ce que je peux faire quand tu me donneras. D'accord? Pour conclure, on a une autre Mishnah très simple. On a parlé des personnes qui sont dispensées de payer le martyr chez elles, femmes et enfants et esclaves. S'ils veulent donner, ils peuvent donner. Par contre, les koutim et nos rimes, on ne recevra pas d'eux, parce qu'on va craindre, on va soupçonner qu'ils ne vont pas pouvoir, qu'ils ne vont pas le donner comme il faut. Et suite à ça, on est rentré dans les détails de préciser quel type de korbanot les goïm et les koutim peuvent offrir au Beth Amidrash. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Vesamecha.